Nous allons préparer là pour le mariage. On va sortir à la télé. Hein? Et on va couper ça ce mariage dure à Londres. On ne veut pas que non, un jour après, que chacun prend sa route. Là où je prépare, il faudrait que le mariage la dure jusqu'à leur éternité. Tout ce que j'avais à dire. Parce que quand ils vont manger le sanglier, là, que la belle famille puisse aimer ma fille qui s'est mariée. Amen! Un jour de la semaine, je veux que ce soit au mois de lundi, pour nous réunir. Mais il y a des enfants qui sont venus un peu tard, d'autres un peu tôt, qui nous ont dit, il y a des gens qui rôdent aux alentours, qui sont aussi habillés, mais pas comme nous. On a dit, mais ce n'est pas grave. Il y a tellement de sites ici, nous sommes ici, nous, Mosaïque, on ne sait pas qui est à côté de nous. Ils sont venus aussi pour leur fête en famille. Et comme vous êtes rentrés ici, c'est respectable qu'on sache pourquoi vous êtes là. Une bonne jour, hein? Si vous pouvez vous identifier. Il y en a qui nous reconnaissent, mais peut-être pas tous. Peut-être que nous sommes tous dans le même quartier, mais nous, on souhaiterait être vraiment édifiés de votre présence en face de nous. Je vous demanderai d'être un peu succinct parce qu'après on va se plier à un rituel et la minute de silence. Et nous attendons d'abord le retour de votre présence par nous. Merci. Avant que de vous décliner l'objet de votre arrivée chez vous, je vous prierai d'abord de vous excuser pour le retard accusé relativement à l'heure qu'on avait convenu que nous serions arrivés. Donc je vous prie d'accepter humblement ce modeste geste pour nous excuser par rapport au retard auquel nous sommes arrivés. Oui, vous disiez que on va se plier au rituel de milieu de silence. Mais nous sommes arrivés
par rapport justement aux nouvelles que vous avez envoyées, permettez d'abord que je vous dise merci pour nous avoir permis d'entrer chez vous. Donc papa, ça c'est pour nous avoir autorisé d'entrer chez vous. Pour la plupart d'autres voyages, vous êtes également chez vous ici, de manière naturelle, nous nous exprimons pas dans la même langue. Mais merci déjà de nous avoir permis de nous exprimer en français. Je vous apporte ces présents justement pour nous avoir donné l'autorisation de nous exprimer en français chez vous. Ça, c'est pour l'autorisation de s'exprimer en français. Je crois que papa, comme vous le disiez tantôt, au terme d'abord de ces trois premiers éléments qui nous ont permis d'abord d'élaguer l'essentiel, avant que de passer maintenant au but de la visite, il serait peut-être judicieux, comme vous le disiez, de faire observer la minute de silence. C'est bien ça. Distingués invités, chers parents, amis et collègues, nous vous demandons de vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de maman Virginie et de maman Geneviève qui nous ont précédés dans le délai. Merci. Bonjour à tous. Nous allons dire humblement merci à Dieu parce que c'est lui qui permet toute chose, et en toute chose, nous devions rendre grâce à Dieu, il est au contrôle, pour qu'il prenne toute autorité pendant ces moments de joie. Je vous prie de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, chers parents. Tu as institué le mariage. Tu as demandé qu'elle quitte son habitation pour habiter désormais avec son homme. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire en ce moment. Tu as fait grâce que nous nous retrouvons en ces lieux. Ce n'est pas un hasard, tu l'avais déjà écrit depuis le commencement. Seigneur, nous voulons te recommander tout ce qui va être fait et dit en ces lieux à l'occasion du mariage de tes enfants que tu t'es choisi. Merci Seigneur de dénoncer tout ce qui va être dit. Nous voulons prendre autorité dans ces lieux. En fait, Seigneur, tout esprit se rabaisse. Esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Que le déroulement soit une réussite totale. Seigneur, nous nous opposons. Nous voulons être disposés, Seigneur, à l'écoute de cette première étape de pourparlers. Oui, Seigneur, nous nous soumettons à ton autorité. Merci de nous orienter. Merci, Seigneur, de donner toute orientation. Sois pleinement glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, veuillons nous asseoir. Nous allons continuer cette magnifique cérémonie. Dans le monde, il y a plus de secrets, tout a été dit en filigrane. Finalement, nous allons suspendre une manifestation concernant notre fête, la fête de la famille. On voulait faire un différé. Ça aussi, ça a une forme de fête. Alors, papa. Oui. Moi, je m'appelle Ange Mouguerini. Je parle ici au nom de M. Goma Guindi-Eli, avec sa famille ici réunie, parce qu'on ne peut pas parler tous ensemble. On m'a demandé, ils m'ont demandé, tout ce que je continue, de parler en leur nom. Tout ce que je ferai ici,
ne m'en vage pas. C'est moi qui suis là ce soir pour vous transmettre ce qu'ils pensent et ce qu'on peut leur dire. Mais pour éviter le cafouillage, comme je disais tantôt, on m'a délégué, on m'a donné un temps sans plus pour quelques minutes que nous allons passer ensemble et les transmettre. Vous devez vous transmettre ce qu'ils ont pensé de vous. Pour cela, puisque nous avons commencé la cérémonie, je vous redonne la parole. Bien. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Ngambou. Mon prénom, c'est Alice. Et si je prends la parole ici, au nom de cette famille, c'est aussi au nom de M. Gaston Mangara et tout le reste des membres de la famille. L'objet de notre arrivée ici, certains peut-être peuvent le soupçonner, d'autres l'ambiance légale comme vous l'avez reconnu tout à l'heure. C'est pas que vous venez en guerre, même si vous êtes en train de se faire déchirer le 1er janvier. C'est aussi pour vous tous de se faire déchirer le 1er janvier, c'est la nouvelle année. Et pour les deux familles, je crois que c'est une très bonne chose de commencer par la visite que nous vous rendons aujourd'hui. Il y a assez longtemps que nous étions déjà rencontrés. On s'est rencontrés par rapport à deux de nos enfants. Un enfant garçon chez nous et un enfant fille chez vous. En se rencontrant, nous sommes venus justement présenter l'enfant garçon comme étant le camarade de l'enfant fille. Et en allant, nous vous avons donné rendez-vous. Que, comme disait le général MacArthur, la veille, je reviendrai, nous avons dit, nous reviendrons. Mais le temps que nous avons donné a quand même été assez long. Je sais que vous avez attendu longtemps. Avant de continuer pour le reste, je voudrais d'abord poser un acte dans ce sens. Nous excuser par rapport justement à ce geste que l'on avait posé, que nous appelons communément les présentations, pour payer une amende dans ce sens-là. Alors, faire au fait qu'on était arrivé, on a donné un rendez-vous, mais nous avons accusé un grand retard. Avec votre permission, si je peux le faire, je m'exécute. C'est oui, allez-y, s'il vous plaît. Transmettez à toute la famille vraiment tous nos remerciements d'abord d'avoir été patients. Nous payons là une amende par rapport à la première visite qu'on nous avait rendue, que nous appelons les présentations. Merci. Papa? Les Blancs ont souvent leurs appellations dans ce que nous faisons. Nous avons les nôtres. Et généralement, cet acte-là, nous l'appelons des fiançailles. Elle dit que nous sommes les seuls longtemps fiancés. Mais notre venue aujourd'hui ne se limite pas seulement à payer l'amende. Je veux profiter au nom de toute la famille par rompre ces fiançailles-là. Et si vous acceptez cette structure de fiançailles et que vous me demandez de continuer, je pourrai vous dire comment je suis venu tout en boitant comme je suis.
permettez que je puisse procéder à la rupture de son sein. Lorsqu'on est justement en train de fêter la nouvelle année, il est important que cela se passe dans la joie. Que cela se passe dans la joie. C'est pas toujours bon qu'il y ait des palabres. Tout à l'heure, je me suis pris un exercice pour dire que je paye une amende par rapport d'abord aux fiançailles qu'on avait contractées. Je suis convaincu que il y a quelques oreilles qui ont sifflé. J'ai procédé tout à l'heure en disant que je rompais ces fiançailles-là. Et j'ai senti que il y avait justement certains éléments qui commençaient à bouger. Donc papa, pour éviter les palabres, j'aimerais terminer avec quelque chose. L'enfant pour lequel j'ai payé la manne, là, l'enfant pour lequel j'ai rompu le fiançailles à ses premiers maris. Donc vraiment, je te prie de m'aider pour transmettre justement à ces derniers-là ce qui leur revient de droit pour qu'ils puissent me laisser continuer ce pourquoi je suis venu. J'ai l'assurance ici que le compte contre la nuit sera fait et les aveugles seront clarifiés. Si ceci est acquis, nous pouvons donc continuer ici. C'est votre souhait. Si vous avez quelque chose d'autre à nous dire. On dit souvent que même les jumeaux qui sortent le même jour ne peuvent pas faire les choses pareillement. C'est laborieux, c'est compliqué lorsque tu arrives dans le village de l'autre de savoir bien faire. Là où je suis sur ce tapis-là, je sais que le travail que je vais passer tout le temps, c'est sérieusement de tomber. Mais je ne veux pas tomber. J'ai demandé de calmer les ardeurs. N'est-ce pas des maris, de celles pour qui je suis venu. Maintenant, papa transmet à toute la famille que là, je viens demander sa main. Là, je fais ma demande de main. J'espère que tu me diras à dire oui. Ah, papa, là, c'est une équation difficile. Vous-même, vous avez reconnu que beaucoup de temps, beaucoup de palabres, beaucoup d'histoires se sont passées depuis le jour de la promesse. Beaucoup d'enfants peut-être sont nés qui portent le même nom, qui ressemblent au nom de celle que vous avez ciblée. Beaucoup de là n'étaient pas là. Ou alors s'ils étaient là, ils n'étaient pas capables d'appréhender la quintessence de votre message. On vous a dit aussi, en commençant la cérémonie, que n'importe comment ce n'est pas à commenter beaucoup, mais ces personnes-là nous ont laissé pour retrouver le Dieu ou le Créateur. Mais posez là une colle, nous ne savons pas de qui vous parlez, et c'est bien de faire tout ça là, ça ne se refuse pas, mais pour la bonne compréhension, pour que nous soyons tous convaincus
que la cérémonie qui est présente là nous concerne, est-ce que vous ne pouvez pas être plus clair et avoir le courage de le faire? Merci. Ah, papa. Comme d'autres disent souvent que lorsque deux antilopes s'épient, une fois au retour justement d'un bosquet et qu'elles s'aperçoivent, il n'y a plus palabre entre les deux. On s'est épié depuis le premier jour que j'étais arrivé. On a regardé. On a lutté contre vents et marées. Tu me connais. Mais comme tu as dit, d'autres certainement n'étaient pas là, ne connaissent peut-être pas de qui il s'agit. Moi, de mon côté, l'enfant pour lequel je viens s'appelle Mangara Gaston. Mangara Gaston, c'est le père, mais lui, il a pris le nom du père, Mangara Claude. L'enfant fille pour lequel je viens, je comprends pourquoi tu veux me forcer. Mais permets-moi d'abord, c'est sûr que je vais tomber parce que souvent les noms que nous portons là, ce sont des noms extrêmement compliqués. On va te dire, oui, dis, il s'agit de qui? Alors tout ça a l'air malade publiquement comme ça, tu dis. Si je veux te dire ça à l'oreille, que ça se met, tu vas dire, ils n'ont pas compris, il faut que ça sorte de ta bouche. Donc, avant que je prononce, hein, le nom que je vais prononcer. L'enfant qui s'appelle Mignana Ngoma Lydia. C'est pour elle que je suis venu. C'est pour elle que j'ai payé la mort sur la durée. C'est pour elle que j'ai rompu les fiançailles. C'est pour elle que j'ai établi les ardeurs du premier mari. Voilà, j'ai levé et que j'ai plus ou moins les identités des deux enfants. Aide-moi encore. Ah, mais c'est parti tellement vite. Papa, prends ton temps. Prends ton temps. Si c'est Moussaoui Manila, dis-lui c'est Moussaoui Manila. Hein? Prends ton temps, parce que beaucoup n'ont pas compris. Hein? Ou bien tout. Tu prends ton temps même depuis là-bas et le micro-porte. Je suis debout là. Je ne prends pas où il y a. Tu as des conseillers autour. J'ai bien compris. Tout va déjà comment je marche là. Ça a commencé par le dos, ça a réagi sur la gorge. Je sais que tu as compris. J'ai dit, l'enfant fille, non? Il n'y a pas Goma Lydia. Cette fois-là, c'est ça. Parce que Lydia a entendu, il n'y a pas Goma. Bien, famille. Même beaucoup. Mais Maï. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont là, les qui sont là, mais il y a un Mbumba. Lydia n'est pas avec nous. Elle est au village parce qu'elle est faite là, elle a qui aime se ressourcer. Si vous connaissez le village, c'est bien, sinon je vais vous signaler que c'est cette Kama à côté de Gamba. Vous savez, cette Kama, vous avez la possibilité de prendre le bateau. Vous avez la possibilité de prendre l'avion, mais quand vous arrivez à Gamba, ce sont les pirogues. Alors, si vous voulez qu'on continue, il faut bien qu'elle soit là. Parce que la main là, ce n'est pas la main du père qu'on demande. Encore moins la main de celui qui est en face de vous. C'est la main de la dame, votre future belle fille. Est-ce que je suis clair? Oui, papa. La balle est dans votre. Ah, bah. Comme d'autres disaient que l'antilope qu'elle est bonne, pendant que certains partaient à la chasse à la cour,
l'antilope est en train de fuir parce qu'elle a l'habitude de se défendre avec ses cornes. Mais lorsqu'elle arrive comme ça, le filet est là, brave, elle veut traverser les cornes sans récupérer. On dit, ah mon Dieu, les cornes, je croyais que tu étais mon complice, mon ami. Or, tu étais mon ennemi. Tout à l'heure, là, tu m'as bien dit. Je termine à marcher, voilà. Le message est transmis. Tout est bon. Tu vas encore, madame, amener beaucoup de complications. Je fais comme, je me plie à cette exigence-là. Ce que je peux te demander, c'est de déléguer les plus braves que tu as dans la famille pour qu'ils se rendent au village, aller chercher ta fille pour laquelle je suis venu, qu'ils la ramènent et comme ça, nous allons devoir continuer. Ça, c'est leur billet pour qu'ils puissent se rendre là-bas, papa. Fais l'effort pour m'aider, comme disait la cigale et la fourmi. Pendant que tu m'aides là, ah, en période de saison sèche, je t'aiderai en période de saison pluie. Je ne sais pas quelle magie ils vont faire, mais prions Dieu, croisons les doigts. Il y a 10 000 francs là, c'est ce fréquent-là. On va l'appeler. Il y a quelqu'un qui s'occupe de lui aussi. Papa. Oui, papa. Vous accompagnez. Mais nous, quand vous dites vous l'accompagnez, ça veut dire qu'il est avec vous. C'est lui qui doit demander la main de cette compagnie qu'il est parti chercher. En théorie, il doit être là avant madame. Si ce n'est pas trop demandé, faites un effort. Essayez de tout faire pour qu'il soit avec vous ou avec vous. Ce n'est qu'un conseil. Sinon, même si elle arrive, on va nous demander est-ce qu'ils sont encore là. Nous, on va dire non, parce que c'est lui qui est à la recherche du bonheur de talent. C'est pas compliqué, non? Bien. Merci, Ba. Comme je disais tantôt, que les herbes que vous observez là, c'est l'émotion. Et tu as tout à fait raison. Il est tout à fait normal que le demi soit là, pour que tout le monde le voit. Donnez-moi donc 2 minutes. S'il vous plaît, 2 minutes seulement pour qu'il soit là. Je comprends la logique de ton interrogation.
Je la comprends parfaitement. Et je sais aussi que tu comprends mon émotion. Et tu sais, souvent, quand tu vas quelque part, tu as femme et enfant, il y en a qui ne maîtrisent pas facilement l'émotion. C'est pas toujours donné à un individu. Tu arrives en terre étrangère, de venir, on va te rendre seul. C'est pour cela, ses soeurs et tout le monde l'ont accompagné. Non, ce n'est pas une victoire. C'est l'émotion parce que il y a la crainte, il y a la peur. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Mais maintenant, on n'a pas fait de victoire. Ça, c'était juste l'émotion. Pardonne-nous. Je sais qu'on dit toujours que la pirogue, ça veut toujours le bagarrer. Mais ça dépend de quelle pirogue. Je crois que je sais quand même bagailler. Je ne vais pas chavirer. Il n'y a rien à renvoyer. Et pourtant, j'ai suivi là, le coordinateur de ma chaîne, la police, là, qu'on a demandé aux policiers de reprendre le contrôle, de superviser et tout. Ça m'étonne, ça me surprend qu'il y a encore des braqueurs. De toute façon, ça c'est un petit souci. Hein, pas. Dis à l'enfant de repartir là-bas et faire le fort. Il n'y aura rien là-dedans. Elle loue les gars de camp. Là-dedans, elle assure justement une sécurité pour un véhicule blindé. 5 000, elle ne peut même pas. Toi-même, tu commences déjà à prendre la barre. Ah, même Gamba, toi aussi, c'est compliqué. Regarde d'abord, j'arrive. Non. Si tu me donnes là, c'est pas bon. Opa. Je sais que là, elle va arriver. Elle a la possibilité justement de louer les gardes-corps, de prendre un véhicule blindé, etc. Et puis de prendre l'hélicoptère de l'armée qui la dépose directement et elle revient. Donc ça, c'est pour la notation. Je sais que l'enfant va comprendre. Je sais que tes enfants ne te désobéissent jamais. Cette fois, tu prends la précaution. On te dit, arrête-toi, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne regardes même pas derrière, tu vas directement là-bas. Un effort. Ok, papa. Maintenant, on va faire la musique là.
Tout à l'heure, l'enfant garçon arrivé. Maintenant, on voit un enfant fille qui arrive toute masquée. Je vais devoir demander à l'enfant garçon de s'approcher, lui-même le concerné, de procéder au rituel qu'il connaît et de nous dire s'il s'agit exactement de l'idée pour laquelle nous sommes venus. Me mets de quel côté? C'est bon. Oh non, non, fille maman. Papa? Mettez-vous de l'autre côté. Mettez-vous de l'autre côté. Allez sur le côté. Allez, oui, nous assistons là. Nous avons confirmé que c'est sa princesse. Il est rassuré que c'est effectivement Lydia. Papa. Papa. Vous allez nous empêcher de travailler. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'asseoir un instant? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'asseoir un instant? Les photographes alloués pour la circonstance que vous restez debout. Le reste assis, s'il vous plaît. Afin maintenant de procéder lui-même à la demande de la main de Lydia. Si les deux êtres restés consentent. C'est là où nous sommes arrêtés. Voilà. Si les deux êtres restés consentent, alors nous continuerons. Claude, viens.
C'est le rituel dans nos us et coutumes bantous. Le futur marié va faire sa demande. Le mariage est une inscription divine. Lorsqu'on se lève pour dire qu'on se marie, c'est qu'on a mûrement réfléchi. Derrière toi, c'est toute ta famille paternelle et maternelle réunie. Tu nous as amenés ici pour Lydia. Voilà Lydia. Il te revient de faire ta demande à Lydia devant toute sa famille. Sur ses morts-ci, tu le lui remets et tu fais ta demande à hôtel que Jésus voit, comme tu en fais. Tu parles comme je parle. Un homme, c'est un homme. Et oui, nous allons écouter M. Mouhara, le bâchement. Comme un enseignant, la voix pédagogique, s'il vous plaît. Je ne sais pas si il faut commencer par Lydia, mais je préfère plutôt Nouna. Un petit nom. Un petit nom. Alors, il y a trois jours, nous étions dans le véhicule avec tes soeurs. C'est comme si c'était un rêve. Un bus roulait devant nous. S'il vous plaît, ne barrez pas les photographes. Alors, qui sont là pour la circonstance. C'était le bus de la société Satra. Comme par hasard. Je lui dis, mais comment ce bus, juste à deux jours, la cérémonie. C'était pour te rappeler 2004, Delvu 2, Carrefour de la Nation, jeune étudiant stagiaire à Satram en plus. Bon, aujourd'hui on parle des classements. Bon, j'ai rencontré Lydia, j'appelle ça mon placement à moi. Inès n'est pas parmi nous. Lorsque j'ai croisé ce magnifique visage, tout de suite j'ai dit à ma grande sœur Inès, est-ce que je peux voir la petite thérapeute? Inès a dit, vous les étudiants, tu vas voyager dans deux mois, tu vas abandonner la profit. Par après, je ne peux pas dire la réaction après. On s'est retrouvé, je crois, à Ouidji. Elle m'a fait tourner. Faux rendez-vous sur faux rendez-vous. Yes. C'est une bonne esthète et elle n'est pas facile. Comme quoi les élèves de Mélène, là, ils disaient, mais elle est un peu folle ou quoi. C'est la première à se terminer. Par après, bon, je savais que... Hein, elle avait déjà vu que Claude Mangaret était son côté là. Les enseignants, bon, nous n'avons pas tous les bons discours. Nouna, alors je vais te remettre ce bien-aimé qui symbolise ma demande. Donc, s'il te plaît, pour vos parents. Je vais te remettre ce billet. Tu vas voir papa, maman. Tu vas dire, papa, le bachelor 2023, bachelor. Yeah. S'il te plaît, accepte. Aïe! Maintenant que M. Mangara, Claude a fait sa demande de façon officielle, devant Dieu et devant les parents ici réunis, la future mariée va devoir faire le cérémonial. Putain, c'est 100 000 euros. Et voici la chamane qui va faire le cérémonial. Arrête le parapluie. Thank you.
magique. Papa, je te remets ce billet pour que tu acceptes mon mariage avec Claude. En pas présent. Oui, Nouna, j'accepte le vent. Merci d'avoir dit oui à la demande de Claude. Papa, merci d'avoir accepté la demande de Claude. Claude et Lydia sont ensemble depuis 12 jours. Et pendant ces 12 jours-là, beaucoup d'heures coulées sur les ponts. Ils ont eu des enfants. C'est pourquoi, depuis qu'ils ont eu ces enfants, on n'est jamais venu reconnaître ces enfants. Je vais donc me plier à ce rituel qui est celui, justement, de reconnaître les enfants. Mais ce n'est pas à elle que je vais m'adresser toujours à mon alter ego. Papa, je disais tantôt que Claude et Lydia ont fait 12 jours ensemble. Depuis ces 12 jours-là, beaucoup doivent couler sur le pont, il y a eu des enfants. Aujourd'hui, Claude a fait sa demande, Lydia a accepté, papa a entériné. Je voudrais pour cela reconnaître nos enfants, puisqu'on n'a jamais fait. Ensemble, nous connaissons. Papa, ça c'est pour la reconnaissance des enfants. Papa. Oui, papa. Je vous attends. Oui, bon, tu sais que souvent pour éviter les glissades là, de taper la piste trop, il vaut mieux être prudent. L'enfant a fait sa demande. Il vient de reconnaître ses enfants. Maintenant, les pères que nous sommes, on voudrait aller plus loin. On veut noter Lydia. Et pour noter, tu nous donnes ton accord. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Parce que nous sommes, il y en a qui sont là depuis 9h. Et vous voyez que les rayons du soleil sont orientés vers chez nous. Hein? Vous comprenez ça? On attend de vraies choses. Là, moi, je vois qu'il y a le sourire. Donne-moi 2 minutes, je te reviens. DJ. Mon bébé, mon original, avec le goût sucré comme l'orangina. Ma vie c'est toi, oh bonne femme, oh. On dit seuls les hommes capables d'épouser femme. Oh, je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. Je t'ai promis, j'ai réalisé. C'est pas la bouche aujourd'hui, tu es légalisé. On fait comment? Un camp, y'a l'ougounien. Un camp, y'a l'ougounien. Un camp,
Y'a le bonheur, y'a un temps. Y'a le bonheur, vous avez là. Y'a le bonheur, vous avez deux moustiquaires et c'est des imprégnés. Deux machettes, deux haches, deux limes, deux pipes, deux têtes de tabac, deux lampes tempêtes, deux rouleaux de mèche, deux cartouches d'allumettes, vous avez 10 litres de pétrole, vous avez là deux sacs de sel, deux sacs de riz, deux cartons de poisson salé, deux cartons de coquilles, deux gros poissons capitaine, vous avez de l'huile raffinée, l'huile de palme raffinée, c'est le vin de miel. Le damja de vin rouge. Voilà. Le bailel. Le martini, le black label, vin noir, le tibi, le waitos, le tapari, le ricard, le rhum Saint James, le chivas, le jack daniel et le gin donut. Ça c'est pour ceux qui ont des liqueurs. Au niveau des sucreries, vous avez deux cartons de Cérès. Nous avons deux Cérès ici. Nous avons deux Dinon. Nous avons également deux Dinon orange ici. Deux Simol. Deux sucres, deux kilos cola, là où on a remplacé les coca, deux orangina, deux toniques impériales, ça c'est pour ce qui est justement des jus, au champi de bière, deux Guinness, deux Bex, deux Engel, deux Castel, deux Royal Dutch,
Beaufort. De Beaufort. 254. Et je regarde Yamado. Et 233. Voilà un peu en termes de présent comment je suis venu. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je ne veux pas m'arrêter là. Il est vrai que ça soit de présent, mais en termes de ça, toujours, il y a quelque chose qui accompagne le présent. Vous me demandez à l'enfant de compter un peu. À combien c'est qu'il y a ça, c'est l'air maintenant. Laisse savoir, vous allez vous voir là. Vous avez tout le temps. À toi, papa. Tu sais qu'à un moment, tu peux faire tes liens. Papa et maman n'ont pas été à l'aise. Papa et maman n'ont pas été à l'aise. Ah, il faut me suivre. Là, c'est pour maman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est tout? Il y avait un plus? Ouais, tu es allé. C'est à 10. Il y a 10 liettes, non? Ça te fait 1 million. 1 million. Bah, voilà pour accompagner ces présents ici. Moi, j'ai pas tout le temps d'entendre, ça ressemble à un magasin. Pour accompagner ces présents, il y a cette somme de 1 million. Je prends CFA. Ce n'est pas des dollars, ce n'est pas des euros. C'est seulement le CFA. Maintenant, c'est à toi de me dire la conduite à tenir. Là, suivez, suivez, s'il vous plaît. C'est pas fini. Quand vous êtes venu ici, vous avez pris place. Je n'ai pas manqué. Je veux dire que. Je n'étais que. Bon, j'exagérais. Une espèce de modérateur. C'était une courroie de transmission. C'est parce que tout simplement, tout ce beau monde ne peut pas se lever ensemble pour venir vous exprimer ce qu'il pensait de votre image. Il m'a demandé de faire ça. La grande Dieu est place. Donc, on ne peut pas continuer. Nous sommes peut-être vers la fin. Et sans demander leur avis. À ce niveau du processus. C'est pourquoi, humblement, je vous demanderai de vous accorder quelques minutes de réflexion. Nous serons très, très, très rapides. Et pour cela, je crois que c'est déjà accepté. Je vais demander au mien. Vous avez la paix ? Oui, oui. C'est vous qui avez manqué de vigilance alors. Bon. Et quand on allait là-bas, il y a une chanson qui passait en filigrane, après il a annoncé le début. Pas les sambons, je vais traduire sambon à mon, ça veut dire sauter là. Ce gars-là, souvent, il n'en parle, il sait qu'il y en a encore. Et quand il y en a encore, c'est comme si quelqu'un l'a soufflé aussi que sur le papier.
il y a quelque chose qui manque. En dehors de ce qu'on vient de me signaler qu'il y en a, mais que les enfants n'ont pas le théâtre, je préfère aller m'asseoir. Bien, mon cher, j'ai compris ton message. Si déjà toi, le propriétaire du village, à un moment, tu t'es retiré avec tes parents, je crois qu'à ce niveau, l'étranger que je suis va devoir s'exécuter au même rituel. Parce que la chanson-là, avec ce que tu dis, c'est quand même important. Donne-moi 2 minutes, je me retire avec les miens. Et je te reviens. Faut t'arrêter là, on te montre. La famille a bien compris le sens du message. Non seulement de la musique qui est sortie, qui était d'ailleurs une musique provocatrice, mais surtout, comment vous avez confirmé cela. Et la famille a estimé que on ne peut pas faire un aussi long voyage avec tous les risques que cela comporte pour justement ne pas atteindre le but. Donc on va faire un effort d'essayer de lever le ton. Mais vous savez que nous avons aussi compris quelque chose. Pas vous, il est où? Bien. Vous avez compris quelque chose que vous avez voulu passer sur les anciens biens. Oui. Parce que comme il y a les nouveaux biens, il paraît qu'ils sont sortis, tout le monde court pour les avoir. Donc on a fait rapidement toi la BAC. Et voilà justement la BAC qui arrive derrière moi. Voilà, c'est pour le maintenant, vous montrez l'autre fond. Donc la BAC, devant ta destinée, ouvre-moi ta mallette et procède maintenant à la grande opération. Et tu montres bien que ce sont les nouveaux billets. C'est complètement bien. Voilà les nouveaux billets que vous attendiez. C'est complètement bien. C'est bien. Venez, ici la loge est où? Venez assister au comptage. Thank you.
Gagné. 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 Encore bravo. Thank you.
janvier 2023 est un jour inoubliable, non seulement pour Luna, mais pour tout le monde. Papa, papa, oui, s'il te plaît.
s'il te plaît. Vous me m'écoutez. Je suis venu avec l'enfant de ouvrir la table dans ton village. Et dans toutes nos coutumes, nous avons des symboles. Je n'ai pas noté cette femme-là à Ogodia ou à Mouila. Je l'ai noté à cette Kama. Vous pouvez nous écouter, s'il vous plaît. Comme je le disais tantôt, tout ce que nous faisons se clôture toujours par un symbole principal. Et chaque Dieu a fait un symbole. Moi je suis au Baba, chez moi le symbole, c'est la pluie. Chez vous, il y a un symbole. Avant que de venir me donner la femme, je dois d'abord aussi terminer. Mais avant de terminer là-bas, je dois d'abord, papa, te dire merci. Parce que ma famille et moi, en venant, nous étions inquiets. Nous étions inquiets parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on sera mangé. Mais Dieu nous a facilité la tâche. Je me dois de reconnaître. Nous et toute ta famille, reçois toute notre gratitude par rapport à ça. Là, je vous dis merci pour tout le service que vous avez rendu pendant tout ce séjour ici. Comme tu es ancien, tu as appelé l'ancien bien. Maintenant, je veux le voir clore ce rituel de danse. Lydia, j'ai dit tout à l'heure, je me suis présenté que je m'appelle Djangou, de mon nom, à l'essai de mon prénom. Chez nous, la femme du grand-père, c'est ta femme, ses enfants sont les tiens. La femme de l'homme est ta femme, ses enfants sont les tiens. Moi, quand je me mets debout ici, je suis le père de Claude. Pourquoi son père? Parce que je suis le neveu de Mandala Gaston, qui est là, assis. Et c'est sous cette autorité que moi, j'ai servi ce rituel. Merci d'avoir dit oui. Avant, je suppose, moi, désormais, tu m'as rejoint la famille, tu es ma fille. Merci d'avoir honoré deux familles, de faire en sorte que désormais nous soyons une seule famille. Et par ce geste ici, je vais serrer la note que j'ai amenée. Moi, quand je sais, ça ne se passe pas. Chez nous, le divorce n'existe pas. Chez nous, la rupture n'existe pas. La seule et unique autorité qui peut nous amener à nous séparer, c'est Dieu. Et moi, j'ai envie de penser que Dieu, que vous êtes, vous vivrez longtemps. Donc, par ce symbole, je scelle ton union avec Claude Mandala. Et comme la tradition l'exige, la BAC a parlé de le nouveau. Voilà à tous et à toutes, le combat! Papa, je suis à votre disposition. Chers parents, chers parents, le mouvement des échirats
accepté là-bas aussi. Yom Kiyombo! Lembo! Yom Kiyombo! Lembo! C'est l'acceptation de la dote là, tout s'est passé. Yom, ça veut dire dote, tout ce que vous amenez là. Marchandises, espèces, moutons, cabrios, la mélange avec tous les corps. Tout ça mélange avec les travaux, les bois. Ça s'appelle Yom. On va ajouter encore. Yom Kiyombo! Lembo! Yom Kiyombo! Lembo! Vous avez demandé le yoga, répondez. Yom Kiyombo! Lembo! Yom Kiyombo! Lembo! Monsieur Pardon, je pars. Je vous aime, je pars.
Le panier, pour les jeunes qui sont nés après moi, il y a forcément à manger. Parce que quand vous êtes venus là, beaucoup de gens disent je ne peux pas aller, je suis à l'état. Quand monsieur et madame vont s'installer, surtout le Edouard Bernard, dans la mamie, ou à côté de l'infidie, ce serait pas mauvais. Mais il y a le tabouret. Tabouret, vous me direz pour s'asseoir. Mais quand nous avons dit ça ici, quand on va au mariage, c'est pas un aller-retour, c'est un billet simple qu'on vous donne. Et le panier aussi, c'est bon. Pourquoi? En termes de symbole, tout ce que j'entends là-bas, je mets dans le panier, qui n'est pas percé. C'est le panier neuf. Il y a à manger, ça va donner des petits pour d'autres cérémonies. Là aussi, il y a pour les coqs, il y a 10. On ne peut pas les mettre en liberté. Vous voyez qu'on a déjà des problèmes pour maîtriser d'autres zones qui bougent. Il y a 10 nattes. Vous avez constaté qu'on crie après la maquilleuse. Elle a mis en sécurité. Je ne sais pas, peut-être qu'elle se maquille elle-même. En tout cas, ça va venir. Ceci étant, je parlais de ce moment
vous avez, monsieur le manière, quand même, parlé de l'humanité. C'est pour ça que. Thank you.
simplement d'être les meilleurs à tous. Est-ce qu'on peut se tenir de nous avant de prier? Dédit le repas, s'il vous plaît. Nous voulons te dire merci pour ces moments. Tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu feras une aide semblable. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Merci Seigneur pour ce couple que tu unis ce soir au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons bénir ces aliments, bénir tous ces repas, bénir tous ces mains, bénir toutes ces femmes qui ont concocté ces repas. Qu'elle continue à le faire toujours avec amour. Inspire-les davantage au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ces aliments soient sanctifiés et purifiés. Que tu les multiplies comme tu as multiplié le pain et le poisson, afin que tout le monde mange à satiété. Amen. Et toute la gloire te revienne. C'est au nom précieux de Jésus que nous venons de prier. C'est que je suis tellement content
de votre réussite ce soir. Je suis obligé d'aller chercher mon cadeau à moi. Famille, je m'en vais chercher mon cadeau à... J'espère que le cadeau est prêt. La parole pour madame. Lui passe d'abord à un dernier de parler au père et fils. C'est là que tu vas. Oye, yé, yé. Oye, yé, yé. Oye, yé, yé. Oye, yé, yé. Je vous ai bouffé. Prêt. En piste, en piste. Combien
Thank you.
Merci.